Salut les amis, l'album de Georgia Smith est enfin sorti. Elle a été le fil rouge de cette petite série de 4 épisodes sur la musique anglaise. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous ferai mon feedback la semaine prochaine. Comme promis cette semaine, on va mettre un pied du côté de la scène jazz londonienne qui est en pleine explosion depuis quelques années déjà. Pourtant, c'était mal parti. Le jazz anglais, il y a peu encore, ça pouvait sonner comme un oxymore, tellement ils n'aimaient pas ça les Anglais. Pour eux, le jazz, c'était la musique de l'après-guerre. Bref, une musique de vieux. Souvent, mes copains anglais me disaient, mais qu'est-ce que vous avez, vous, en France, avec le jazz? Paris, Saint-Germain, Juliette Gréco, Miles Davis, tout ça, c'était des clichés sépia pour eux. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi les choses ont changé et comment ce mouvement Jazzy Revival est né. J'ai profité de l'occasion pour vous glisser quelques albums qui valent le détour. En 1991, Gary Crosby et Janine Irons lancent un programme éducatif appelé Tomorrow's Warrior. L'école est entièrement gratuite et elle a pour but de démocratiser le jazz, qui était devenu la musique d'une élite blanche et bourgeoise. Réconcilier la diaspora afro-anglaise avec la musique de ses origines, mais aussi ouvrir les classes d'instruments aux femmes qui, dans le monde du jazz, étaient trop souvent réduites au simple rôle de chanteuse. Alors, le programme voit plusieurs formations dirigées par des femmes ou entièrement composées de femmes. Un des secrets du succès de l'école, c'est que la plupart des élèves intègrent le programme autour de 12 ans et poursuivent jusqu'à leur majorité, voire plus. Ça permet de créer un microcosme solide d'instrumentistes qui se soutiennent et grandissent ensemble et qui font des groupes ensemble. C'est ça aussi la condition du succès d'un groupe, c'est qu'ils ont commencé gosses. La seule obligation qu'ont les élèves vis-à-vis de la formation, c'est qu'une fois sortis de l'école, ils doivent venir à leur tour enseigner et donner des masterclass. C'est le cas de Shabaka Hutchins, saxophoniste de génie. Ayant aiguisé son art chez Tomorrow's Warrior, il prend l'initiative de créer une compilation avec le soutien de Giles Peterson, l'inventeur de l'acid jazz dans les années 90. La compile We Out Here sort en 2018 et cristallise cette jeune scène anglaise en pleine explosion. Shabaka le dit lui-même, il souhaite faire avec cette compilation un instantané de cette effervescence. On y retrouve quasiment que des élèves de la Tomorrow's Warrior comme Coco Rocco, Erza Collective ou encore Nubia Garcia. Le carton d'un seul morceau, Abusey Junction de Coco Rocco, va faire connaître cette nouvelle armada de jeunes jazzmen et women bien au-delà de l'ombre. En 2020, une autre compile voit le jour, Blue Note Reimagined. Il s'agit d'une collaboration entre le mythique label de jazz new-yorkais Blue Note et le label londonien Jazz Refreshed. En 16 titres, le projet présente un nouvel instantané de la scène jazz londonienne qui a en seulement 2 ans bien grandi. En ouverture, on retrouve Georgia Smith avec le morceau Rose Rouge, reprise du français Saint-Germain dont je vous parlais la saison dernière. L'album est un vrai succès. Ils vont donc produire une deuxième édition en 2022 avec de nouveaux groupes et encore de nouveaux artistes tout aussi talentueux. I want you to get together. À travers ces compiles, on s'aperçoit que la scène jazz londonienne est très vaste. On n'aura pas le temps de se pencher sur chaque projet. Je vous en ai sélectionné quelques-uns qui méritent d'être examinés. Le premier est celui de Ezra Collective, tête de gondole du mouvement. Ils ont même remporté un prix prestigieux, le Mercury Prize, en 2023. Ça fait d'eux les premiers artistes jazz à gagner ce prix devant les Arctic Monkeys. Le quintet s'est rencontré à Tomorrow's Warrior. Leur jazz, mêlé de funk et d'afrobeat, électrisent les foules depuis la sortie de leur premier projet You Can't Steal My Joy en 2019. Mais surtout, ils réconcilient le jazz avec la danse. Je vous rappelle en passant que c'était la fonction première de cette musique. Le jazz, bien avant le rock'n'roll, faisait danser les gens. Ce 2 septembre dernier, ils se sont produits à Paris devant une salle pleine et un public enthousiaste. La magie opère, malgré que leur composition soit entièrement instrumentale. Femi, le batteur et le leader du groupe, prend la parole au milieu du concert pour
inviter le public à se regarder, échanger et célébrer la joie ensemble. Parce que c'est ça le cœur de la musique d'Ezra Collective, la joie. Ils veulent dépoussiérer le jazz, ils veulent faire danser, ils veulent faire partager leur énergie survoltée au plus grand nombre. Ils renouent avec les racines africaines du jazz et surtout la musique du pape de l'afrobeat, Fela Kuti lui-même. Un extrait de leur tube Victory Dance. On va écouter maintenant une DJ, productrice et trompettiste, Emma Jean Thackeray. Dans cet extrait, on peut entendre ses recettes, un kick régulier house, des breaks déjantés sur lesquels vont se déployer de purs impro jazz sur des accords chauds qui tournent en boucle. On est clairement sur une house teintée de jazz ou du jazz qui pulse house, on sait pas, on sait plus, mais on s'en fout. Ce qui explique le succès et l'explosion de ce jazz made in UK, le secret de cette sauce anglaise, c'est le mélange décomplexé de danse et de musique savante. Tous les styles qui traînent dans les rues de Londres y sont. La techno, la grime, la bass music, l'afrobeat, le reggae, le dancehall. Les salles sont remplies, les lieux de jam sont complets. Mais surtout, ce qui est réjouissant, c'est que le public et les musiciens ont le même âge et qu'ils vibrent ensemble sur la même pulsation. Allez écouter les compiles Blue Note Reimagined et We Out Here. Voilà, j'espère que ce détour du côté de la musique anglaise vous a plu. Le mois prochain, on va abolir le temps et on va voir comment les musiciens à toutes les époques se sont inspirés du passé pour avancer. Comment ils ont fait du neuf avec du vieux, à quel point l'ancien monde les a guidés pour aller vers le nouveau. Bref, en un mot, back to the future. Back to the future. Back to the future. To the future. Back to the future. Bref, en un seul mot, back to the future. Et je parlais de Jean Seb, bien sûr. Salut les amis.